Je souhaite une très belle journée, une journée internationale des femmes. Dans le monde entier, les femmes sont tellement belles, vous êtes très jolies par la gloire de l'Éternel. Les femmes, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, vous avez votre bien-aimé, le prophète Olom Gislain. Je suis venu tout simplement prier pour les femmes dans le monde entier. Amen. La journée internationale des femmes, il y a des messages dont vous avez besoin. On parle des femmes. Toutes les femmes. Les femmes au foyer sont aussi des femmes. Nous avons plusieurs femmes aujourd'hui qui sont au dehors. Hier, elles étaient dans le foyer, mais aujourd'hui, elles sont maintenant au dehors. Hier, elles étaient toutes dans le foyer. Mais aujourd'hui, ces femmes sont en train de célébrer cette fête. La journée internationale des femmes au dehors. Sans la protection, sans la couronne. Quand je parle de la couronne, je veux parler des maris. Je veux parler de vos maris. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir de verset 10, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Quand la Bible parle d'une femme vertueuse, la femme qui a un bon caractère, la femme qui comprend son mari, la femme qui supporte son mari dans ses douleurs. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont déserté les lieux. Les femmes ont quitté les foyers. Il y a des femmes qui sont comme les femmes de Job. Lorsque Job était rentré dans les situations les plus difficiles, les situations les plus pénibles, la femme n'a pas pu rester auprès de lui. La femme a quitté son mari. Pour être une femme vertueuse, c'est de supporter son mari dans les moments difficiles. Lorsqu'il n'a plus de travail, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est dans les problèmes, l'homme doit te voir toujours à ses côtés. Amen. La femme vertueuse éduque son enfant selon la Bible. La femme vertueuse ne sort pas avec deux hommes à la fois. Il y a des femmes au foyer qui sont ressorties avec deux personnes à la fois. C'est-à-dire le mari à la maison, mais elles ont encore d'autres hommes au dehors, des amants au dehors avec qui elles sortent. Amen. Bien-aimé, une femme vertueuse, c'est la femme qui prie pour son mari. La femme qui va jeûner pour son mari. La femme qui va fléchir les genoux devant son mari. La femme qui va devenir la couronne pour son mari. Amen. La femme vertueuse est une femme des grands signes, la femme qui impacte la famille. Tu dois être la femme qui doit impacter la belle famille. Tu dois être la femme qui doit impacter ta génération. Tu dois être la femme qui doit attirer ton mari. Amen. La femme vertueuse, la femme de la grande valeur, doit être toujours propre au foyer. Quand le mari sort et il revient, le mari doit revenir te voir bien chaleureuse. Le mari doit revenir te voir joyeuse. Le mari doit revenir te voir dans la paix, dans la joie. Mais quand le mari sort et il revient à la maison, il retrouve la chaleur. Le mari sort en paix, il revient à la maison, tu le mets dans la fournaise ardente. Il sera obligé de ressortir. Amen. Alors, il y a plusieurs femmes au dehors qui désirent encore le mari que toi tu détestes. Tu dis à ton mari, je n'ai plus besoin de toi, tu n'es plus encore la femme de valeur. Tu dis à ton mari, non, qu'est-ce que toi tu peux me faire? Bien-aimé, il n'y a pas de meilleur mari ailleurs. Ton mari est déjà le meilleur. C'est à toi de garder ton bon caractère et au travers de ton caractère, tu verras toujours ton mari à tes côtés. Bien-aimé, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui ne peuvent qu'insulter leur mari. Parmi les collègues, parmi les amis, quand tu attrapes ton mari au dehors, tu l'attrapes maintenant dans la famille, tu l'incites, tu lui dis des choses qu'il ne faut même pas dire à ton mari. Tu n'es plus encore une femme de valeur. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 1er. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bien-aimé, sois une femme vertueuse. La femme vertueuse supporte son mari avec son argent. La femme vertueuse supporte son mari dans ses douleurs. La femme vertueuse habille son mari. La femme vertueuse peut acheter de la voiture à son mari. La femme vertueuse peut construire la maison à son mari. La femme vertueuse protège son homme. Quelles que soient ses erreurs, tu dois le protéger. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc quand ton mari vit dans une erreur, tu dois le couvrir. Tu dois le protéger. Quel que soit ce qui va arriver, tu dois le protéger.
Pourquoi? Parce que c'est ton mari. Pourquoi? Il est le père de tes enfants. Pourquoi? C'est ton chéri. Pourquoi? C'est ton miel. Pourquoi? C'est ton jardin. Alléluia. Pourquoi? C'est ton jardin de nuit. Tu appelles parfois ton mari menuisier. Tu dis frère menuisier. Tu dis frère colon. Et tu dis à ton mari, non, frère mécanicien. Tu dis à ton mari, non, frère réparateur. Tu n'as pas un nom qui attire ton mari au lit. Tu dois appeler ton mari. Tu dois dire mon miel, mon chéri, mon jardin de nuit, mon sucre. Tu dois donner des noms qu'il faut à ton mari. Là, en cela, il va beaucoup t'aider et il va beaucoup t'aimer. Même s'il sort et il voit d'autres filles dehors, il va comprendre. Son intelligence, son cerveau va lui dire, son esprit va lui dire, j'ai la meilleure à la maison. J'ai la meilleure femme. Avant qu'il n'arrive à la maison, le lit est déjà dressé avec des fleurs. Le lit est dressé, rempli de parfums. La salle est remplie de bons parfums. Et quand il rentre dedans, il n'aura plus encore envie de ressortir encore de la maison. Il sera obligé de se déshabiller, entrer sous la douche, se doucher et venir avec toi au lit. Bien-aimé, une femme vertueuse arrange sa chambre. Une femme vertueuse se met toujours propre. La femme vertueuse prend soin de ses enfants. La femme vertueuse jeûne et prie pour son homme. La femme vertueuse fait tout ce qui est bon pour son homme. Car si tu ne fais pas cela, il y a des femmes au dehors qui peuvent aussi faire mieux que toi. Ici, vous avez votre bien-aimé, le prophète Olam Jespin, sur votre émission La Vérité du Foyer. Shalom à vous. Pour plus de renseignements, faites nous contacter sur plus 229 97 15 97 et 96. Je crois, je suis persuadé que quelqu'un va partager ce message pour qu'un foyer soit béni. Shalom et à très bientôt.